Salut à tous, ici Sir Madness pour une vidéo de présentation de Blood Bowl 2. Alors Blood Bowl 2 qui est anciennement, enfin toujours même, un jeu de plateau réalisé par Game Workshop. Donc un jeu de plateau avec des petites figurines, tout ça. Et qui nous propose, disons, des batailles rangées mais avec prétexte un ballon. Et dans l'univers Heroic Fantasy de Warhammer. Donc voilà. Alors qu'est-ce que nous propose ce Blood Bowl 2? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on va retrouver sur le PC en fait? Eh bien on va retrouver à peu près tout ce qu'on retrouve sur le jeu de plateau. Néanmoins, voilà, on va retrouver une campagne. Donc ce sont des scénarios très, très scriptés qui font office de tutoriel en fait. Parce que le jeu est bien compliqué à appréhender. Surtout vraiment au départ c'est pas simple du tout. Et donc voilà, là, le tuto est bien fait. Il y a eu une première version de ce Blood Bowl qui avait été faite il y a quelques années, et sans tutoriel, et c'était vraiment... ils se sont tirés une balle dans le pied en faisant ça, parce que les nouveaux joueurs n'y arrivaient pas du tout. Donc là, ils ont bien fait les choses ce coup-ci, la campagne est assez sympa, vraiment progressive, et franchement, si vous êtes nouveau joueur sur le jeu, faut absolument la faire. Voilà, je dirais même si vous êtes ancien, faites-la quand même, c'est un peu long, mais c'est bien de voir quelles sont les mécaniques, enfin comment le jeu gère les mécaniques en fait, que nous on a l'habitude de faire très vite et très efficacement sur plateau, et bien des fois c'est pas si simple à faire sur le PC. Et je prendrai l'exemple du Blitz et Saut pour les connaisseurs, voilà. Blitz et Saut, enchaîner ça dans la même action avec le même personnage, c'est... ça nécessite un petit coup de main quand même. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir, comme c'est voilà, c'est un jeu de foot américain dans l'idée, mais dans le monde de Warhammer, et du coup les ligues sont légion, voilà, les ligues, les compétitions, tout ça. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près juste après. Vous allez pouvoir faire des matchs amicaux, des défis. Alors les défis, c'est la petite nouveauté de... Là, il y a une édition légendaire qui vient de sortir avec plus d'équipes, tout ça. Et des défis. Donc les défis, pareil, hein, ça fait un peu office de tuto pour certaines choses, donc c'est assez sympa de les faire. Gestion d'équipe et de ligue, donc là c'est si vous êtes vous-même un administrateur de ligue, faut passer par ici. La Cabale TV qui vous permet de revoir les matchs des autres et aussi voir les matchs en direct. Donc ça c'est l'orientation clairement prise e-sport par Cyanide qui développe le jeu. Hein. Donc voilà, ils tentent d'en faire quelque chose d'un peu plus e-sport. Donc on a les derniers matchs joués, les replays de la communauté, donc ça ce sont les derniers replays faits par la communauté. Et ici vous pouvez chercher un match, donc en direct ou en rediff. Voilà, donc là on a... hop, on peut rechercher, vous pouvez rechercher donc par équipe, par ligue, par coach. Voilà, il y a plein de... Enfin tout est fait vraiment pour que... pour que le sport entre guillemets soit retransmis quoi, puis prenne vie à travers les ligues et les compétitions. Les paramètres et la boutique. Alors la boutique, faut savoir que Cyanide propose le jeu en un bloc en fait. Vous allez avoir Blood Bowl 2 avec un certain nombre d'équipes. Ensuite vous allez avoir quelques petits DLC qui proposent les équipes à part. Et au final, l'édition légendaire qui complète les équipes manquantes, mais qui est vendue en plusieurs packs en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir l'édition légendaire pour ceux qui ont déjà le jeu, mais aussi l'édition légendaire pour ceux qui n'ont rien du tout. Et du coup, à ce moment-là, l'édition légendaire propose absolument tout. Et donc ce que vous allez retrouver dans la boutique, c'est absolument pas indispensable. Et ce sont des couleurs d'équipe par exemple, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est des maillots là, qu'on pourrait acheter avec les sous du jeu. Mais les sous du jeu, vous pouvez en acheter avec des sous réels. Voilà. Donc c'est assez classique, c'est pas indispensable, mais ça, c'est là. S'il faut, c'est là. Et en sachant que les sous du jeu, vous allez pouvoir les gagner dans le jeu en fait. Si vous faites une partie solo, donc est-ce qu'on peut créer une équipe là ? Voilà. Bon, on va voir ça après les sous du jeu. Donc vous avez une ligue solo donc pour jouer contre l'ordinateur.
et en remportant certaines compétitions de cette ligue qui est permanente, hein, elle va, vous allez pouvoir évoluer vos équipes bien longtemps. Et donc en remportant quelques trophées, bah, vous allez pouvoir gagner quelques petites pièces pour acheter éventuellement des couleurs de maillot, des choses comme ça. Donc pour les habitués de Warhammer, hein, et bien écoutez, on va retrouver toutes les races, bah, les races habituelles en fait, c'est-à-dire les orques, des gobelins, ici des ogres, des elfes, des humains, des nains, des scavennes, des elfes, des elfes noirs, des bretons, évidemment l'équipe du chaos, des hommes lézards, des nordiques, enfin vraiment tout les morts vivants, tout ça, Nurgle, tout le panel de Game Workshop en fait est étalé dans ce Blood Bowl via les équipes. Les équipes ne se mélangent pas entre elles. C'est-à-dire que le jeu propose un mode mixte où là vous allez pouvoir mélanger certaines d'entre elles ensemble. Mais c'est pas l'ambiance du jeu. L'ambiance du jeu c'est bataille rangée entre armées quoi. Mais sur un terrain de Blood Bowl. Donc voilà. Alors admettons, on va essayer de rester très classique. Hein. Alors je ferai peut-être des vidéos de présentation des équipes. Histoire que. Bah, qu'on puisse en parler un peu plus en détail. Mais bon là en l'occurrence on va parler du jeu généralement. Donc vous allez pouvoir entrer le nom d'équipe. Donc hop. La Mad Hack. Alors je mets pas Mad Academy parce que on a un des membres de la Mad Academy qui a utilisé le nom pour son équipe de tournoi. Et du coup on va pas pouvoir faire de doublon. Alors la petite astuce c'est mettre un espace avant les choses pour pouvoir créer le doublon. Mais bon on va pas s'embêter là. Vous pouvez entrer un cri de guerre qui ne sert absolument à rien, mais pourquoi pas. Choisir les blasons de l'équipe. Donc en fonction de la race, vous allez avoir des blasons différents, puis une série de blasons généraux que vous allez retrouver sur toutes les équipes. Donc nous, on va se faire plaisir, on va prendre le blason de la Mad Academy. Si jamais vous cherchez la ligue en jeu, ben, c'est le même blason. Vous pouvez donc changer les maillots d'équipe. Alors vous êtes... tout à l'heure, donc je vous disais qu'il fallait en acheter, mais vous en avez quand même de base, hein, des blasons. Des blasons, des couleurs de maillot. Voilà. Donc, hop, vous entrez un nom du stade. Hop. Un petit échec de micro. Donc vous entrez le nom du stade. Et là, le jeu vous propose soit de créer l'équipe pour vous, soit de vous la créer. Donc on va dire oui. Ok, échec, trop d'équipes. Je peux pas vous montrer la création. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben voilà, ma présentation, c'est parfait. Hop, donc l'équipe a été créée simplement. Et vous allez vous retrouver ensuite avec votre feuille d'équipe. Votre feuille d'équipe qui comporte là, ici, le staff en fait de l'équipe. Donc les relances ne sont pas le staff de l'équipe, mais c'est compris dans la valeur de l'équipe. Et ici, bah, vos joueurs en fait que vous avez recrutés juste avant. Donc pour vous montrer un exemple de recrutement, par exemple, on peut en licencier un. Hop, non, c'est pas ici. Voilà, pour licencier les joueurs, hein, évidemment, c'est ici. Et ensuite là vous arrivez sur l'écran d'achat des joueurs. Donc vous pouvez choisir entre différents postes, c'est-à-dire que vous allez d'abord choisir une race d'équipe, puis ensuite en la composant, et ben vous pouvez la composer de plein de manières différentes. C'est-à-dire que là on pourrait mettre un ogre ou des receveurs, des lanceurs, des blitzers, des trois quarts, enfin voilà, et ici on vous donne l'indication de maximale en fait du nombre de joueurs que vous pouvez avoir dans l'équipe. Par exemple, 4 receveurs maximum, et pour l'instant on en a 2. Les 3 quarts, on peut en avoir jusqu'à 16, pour l'instant on en a 3. Donc admettons, on va en acheter un autre. Ici vous pouvez choisir son nom, vous pouvez le remplacer, vous pouvez choisir un peu bah, les skins, hein, simplement. Et puis ici vous voyez les compétences affichées, alors évidemment un 3 quarts n'en a pas. Simplement vous l'achetez, et hop, là on vous affiche que vous venez d'en acheter un. Donc vous confirmez les achats, ici vous pouvez acheter ou retirer des relances. Donc les relances, hein, qui, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, donc, servent à relancer des dés en cas d'échec.
en cas d'échec ou en cas de... Ah bah je pourrais peut-être avoir mieux quand même, donc je vais relancer même si c'est pas un échec. Voilà. Donc une fois qu'on a son équipe, bah il va s'agir de l'inscrire dans une ligue. Donc voilà, on va rejoindre une ligue ici, et là vous avez plusieurs choix. Donc le solo c'est, si vraiment vous voulez faire une petite compète tout seul, rapide, bah écoutez, vous faites votre tournoi. Alors on a plusieurs modèles de tournois, hein, des coupes, des championnats, des rondes suisses, et des tournois qui proposent bah, des divisions et ensuite des playoffs, quoi. Voilà. Hop, on va rejoindre la ligue. Ensuite, on a le mode multijoueur, donc avec toutes les ligues administrées par les gens et peuplées par les coachs humains, en fait, en multi, quoi, simplement. Et la ligue éternelle, alors la ligue éternelle, c'est dans celle-ci que vous allez pouvoir récupérer les petits sous du jeu, à condition de remporter des tournois. Donc on va vous demander... là, on vous propose des tournois, en fait, à chaque saison. Et vous allez traverser les années, comme ça, les saisons, de saison en saison. Donc c'est des vraies saisons, hein. C'est été, automne, hiver, hein, tout ça, et ces 4 saisons réunies font une saison de jeu. Voilà. Donc vous allez croiser pas mal de tournois, et voilà. Donc faut savoir que vos joueurs vont gagner de l'expérience. On va quitter cette ligue, s'il vous plaît. Donc vos joueurs vont gagner de l'expérience au fur et à mesure des parties, et en gagnant de l'expérience vont gagner des compétences en plus. Donc là par exemple, si on prend ce monsieur... Ce monsieur, on voit dans ses compétences qu'il a une compétence de passe qui lui permet de relancer en cas d'échec lorsqu'il fait une passe, et une compétence de dextérité qui lui permet de relancer un jet de dératé quand il essaye de ramasser le ballon par terre. Voilà. Donc on voit qu'il y a des cases vides. Alors elles ne seront jamais toutes remplies. Hein. Attention, c'est un jeu qui limite l'expérience et le gain de niveau au niveau 7. Donc vous allez pouvoir remplir jusqu'à 6 compétences en plus, en fait. Puisque vous voyez ici que votre personnage est déjà niveau 1. Au départ, il n'est pas niveau 0. Donc vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 6 compétences à condition que le personnage survive. Puisque le jeu, petite subtilité du monde cruel de Warhammer, votre joueur pourra décéder dans d'atroces souffrances, se faire piétiner, se faire blesser et perdre des caractéristiques. Alors jamais il ne perde de compétences, mais comme on a vu là, on y retourne encore une fois... Comme on a vu, ici vous avez 4 caractéristiques, le mouvement, la force, l'agilité et l'armure. Et alors le mouvement va vous servir à vous déplacer dans un certain nombre de cases, évidemment le nombre de cases indiqué par la colonne de mouvement. Donc ici 7 cases, ici 6 cases par exemple. La force va vous permettre de combattre, alors il s'agit en fait d'un... Par exemple, si vous avez 3 en force, vous n'allez pas lancer 3 dés. Donc c'est des petits calculs un peu plus compliqués qui vont vous dire combien de dés vous allez lancer, et en fonction de la force de votre adversaire. Donc évidemment, plus vous êtes fort, mieux c'est. Mais si vous n'êtes pas fort, comme ici, vous avez 2 en force, et ben vous allez pouvoir... alors on verra ça plus tard dans les tutos, hein, mais vous allez pouvoir rajouter des copains autour, des petits potes, pour vous rajouter de la force, et remporter ainsi vos combats plus facilement. Ensuite, vous avez l'agilité qui sert absolument à tout. C'est-à-dire à chaque fois que vous voulez esquiver quelqu'un, ou ramasser la balle, ou lancer la balle, ou recevoir la balle, il va falloir faire des jets d'agilité. Ensuite, donc l'agilité va de 1 à 6, hein. jamais au-delà, et jamais en deçà non plus. Enfin, si jamais elle arrive à 0, en principe votre personnage décède. Voilà. Et l'armure, au final, qui va déterminer... Alors, le jet d'armure, en fait, c'est une des choses les plus simples du jeu. C'est-à-dire que quand vous faites tomber quelqu'un, ou quand vous tombez vous-même, vous allez automatiquement lancer un jet d'armure pour savoir si le personnage va être blessé ou pas. Donc simplement, vous lancez 2 dés, et si le score correspond... Alors là, par exemple, il a 8 d'armure, donc pour le blesser, il va falloir faire 9, 10, 11 ou 12 avec 2 dés à 6 faces. Voilà, c'est très simple. Et évidemment, bah, par exemple, les Halflings, qui sont tout petits, eux auront beaucoup moins d'armure. Et les nains en auront plus puisqu'ils sont plus résistants, en tout cas ils sont censés l'être. Voilà. Donc après ça reste un jet de dés, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire 3 fois 12 de suite, c'est possible, et c'est pas parce que vous aurez 10 d'armure que vous allez résister plus facilement à ce jet-là, quoi. Hop. Donc voilà, on a vu les caractéristiques de base. Ensuite, donc on va rejoindre une ligue...
Alors ce coup-ci, on va regarder dans les ligues multijoueurs. Donc quand vous arrivez sur ce tableau, vous ne savez pas où aller. Donc vous arrivez sur le jeu, vous avez envie de jouer avec des gens simplement parce que vous en avez marre du PC. Et bien écoutez, vous allez dans les ligues multijoueurs et là vous avez des pages de ligues. Alors on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais alors attention, faut pas se laisser non plus leurrer par le chiffre. C'est-à-dire que chaque ligue est limitée à 20 compétitions à la fois. Donc ça peut paraître beaucoup, mais imaginons que vous fassiez une ligue avec des divisions, et ben chaque division est une compétition en fait. Donc pour les grosses ligues, et ben parfois ils ont plusieurs ligues ici pour avoir leur division un peu mieux gérée quoi. Et si vous allez sur la page 2, bah écoutez, vous retrouvez la Mad Academy ici, avec les petites ailes jaunes, donc le logo qu'on a vu tout à l'heure, qui est mon Academy de Blood Bowl. Donc qu'est-ce que l'Académie de Blood Bowl pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça? Bah écoutez, c'est un lieu où vous allez retrouver des gens qui sont disposés à vous aider sur le jeu. Vous expliquer ou les règles ou les rosters. Alors les rosters sont les équipes, hein, les races. Ou des tactiques de jeu toutes les questions que vous pourriez avoir, on tâche d'y répondre du mieux possible. Alors on n'a pas toutes les réponses, hein, parfois on cherche ensemble, mais écoutez. Voilà, on est disposé, on a tous intégré l'académie histoire de proposer ce service-là aux gens. Voilà, le but c'est bien d'ouvrir le jeu. On essaye d'aller dans le sens de Cyanide aussi, hein, qui a fait l'effort sur le tuto pour que des nouveaux joueurs puissent intégrer le jeu. Bah écoutez, nous on va dans leur sens aussi et on essaye de compléter les infos s'il faut, d'apprendre bêtement le jeu aux gens qui le souhaiteraient en tout cas, hein, parce que bon, il est possible d'apprendre aussi tout seul, mais c'est un peu plus long. Voilà, donc ici là j'en profite puisqu'on voit le logo juste ici, c'est la ligue du Krugistan. Donc pour ceux qui connaissent Krug Gaming sur YouTube, bah écoutez, il a son championnat aussi dans lequel personnellement je participe, et on est plusieurs de l'académie à y participer aussi. Donc l'ambiance est très sympa, n'hésitez pas à y aller si vous voulez. Les inscriptions, ce sera sur le Discord, tout ça. Donc pareil, hein, vous allez à l'académie puis on vous indiquera comment aller chez Krug sans problème. Donc à savoir qu'à l'académie vous allez trouver aussi des compétitions, hein. Toutes ces choses là sont des compétitions simplement. Alors il est préférable, hein, en général, de passer par les Discord et les sites internet des gens. Donc parce que les ligues à part celle-ci, ces deux là sont les ligues officielles de Cyanide. Donc vous allez pouvoir les intégrer comme ça, en claquant des doigts simplement, quoi. En revanche toutes les autres sont des ligues privées, donc organisées par des gens comme moi, comme vous. Donc il faut généralement, pour s'y inscrire, passer par ou des sites internet ou des forums ou des choses comme ça. Donc admettons qu'on veuille intégrer l'académie. Ici on voit le petit site internet du Discord. Donc c'est ici que vous allez pouvoir retrouver tous les gens et comment s'inscrire dans les compétitions simplement. Les règlements des compétitions aussi. Alors vous avez, si vous voulez, l'Insane Ladder qui est ouvert à tous. En revanche, comme on n'est pas trop nombreux non plus, et ben pour avoir des matchs, il faudra passer par le Discord et demander si quelqu'un est dispo, simplement. Voilà. Donc admettons, nous intégrons, pourquoi pas, l'Insane Ladder. Allons-y, soyons fous. Voilà, donc on retourne, une fois que vous avez intégré la compétition, on retourne sur le menu de choix des équipes. Donc vous allez avoir tous vos blasons. Alors ici c'est pour créer les équipes mixtes, voilà. Donc vous allez avoir tous vos blasons d'équipes que vous avez créées. Alors sachez que la limite est à 40, alors on peut se dire que ça fait beaucoup, mais avec l'académie je vous assure que c'est pas assez. Puisqu'il me faut une équipe de chaque race pour éventuellement pallier à toutes les éventualités. Bon. Voilà. Hop. Donc on récupère son équipe, et ici on voit la compétition dans laquelle elle est inscrite. Elle ne peut être inscrite que dans une seule compétition. Et ici le blason de la ligue, plus généralement, dans laquelle est contenue la compétition concernée. Donc vous pouvez cliquer sur le blason, et là vous arrivez sur le tableau de la compétition, donc avec son classement.
son classement avec ses victoires, ses égalités, ses défaites. Donc, toutes les équipes, les coachs là, qui gèrent les équipes, la race de l'équipe également. Vous pouvez chercher juste... voilà. Là, vous avez votre équipe qui n'est pas classée puisqu'elle n'a fait aucun match. Vous avez la direction de la ligue. Si jamais il y a des pépins, bah, vous allez voir ces gens-là. Le planning. Alors là, le planning, il n'y a rien du tout puisque... ah si, il y a quelque chose, ok. Donc le planning, c'est le résumé des matchs qui ont été joués. Alors, c'est-à-dire que là, c'est un Insane Ladder, c'est un open. C'est-à-dire que vous pouvez jouer n'importe quand, n'importe comment, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il n'y a pas de calendrier non plus. C'est-à-dire qu'on va voir affiché ici que les matchs déjà joués. En revanche, si vous intégrez une compétition qui est un championnat, vous allez voir aussi les journées d'après. C'est-à-dire, journée 2, vous aurez ce match-là à jouer, journée 3, celui-là. Donc ça vous permet de savoir qu'est-ce qui vous attend, en fait. Vous avez l'onglet équipe qui vous permet de voir en détail, alors là on prend une équipe au hasard, qui vous permet de voir une équipe en détail donc. Avec ces personnages, ici on voit les niveaux, donc niveau 1 partout. Ici on voit qu'on a un blessé qui ne participera pas au prochain match puisqu'il est en grisé. Donc on peut voir sa blessure, là c'était un moins 1 en armure. Ce qui fait qu'il sera plus facile à blesser aussi les matchs d'après. Ici on peut voir l'expérience hein, donc des joueurs. Et l'expérience nécessaire pour passer au prochain niveau. Et la valeur du joueur qui va augmenter, qui va faire augmenter la valeur de l'équipe. Ou dans le cas d'une blessure qui va baisser, qui va faire baisser la valeur de l'équipe. Hop. Donc voilà, et si vous cliquez sur les joueurs, ben vous avez toujours en détail les compétences, ici la compétence qu'il a gagnée, puisque de base il a réception et esquive. Donc même chose, hein, on verra les compétences plus tard dans les tutos divers et variés. Hop. Donc voilà, bah écoutez, c'était une présentation générale du jeu. C'est-à-dire que là, tout n'a pas été dit sur le jeu. Hein. C'était juste même le menu principal. Donc ce qu'on va faire même, voilà. On va aller au bout de la présentation, évidemment, c'est une meilleure chose. C'est-à-dire qu'on va jouer dans une ligue. Donc classique, hein, on va reprendre du début. Là, vous arrivez sur le jeu, c'est la première fois que vous jouez. Vous ne savez pas quoi faire, bah, vous jouez dans une ligue. Vous allez ici créer votre équipe, donc ça on l'a fait tout à l'heure. Ensuite vous choisissez votre équipe, vous rejoignez une ligue. On va faire solo pour le coup. Vous pouvez faire une coupe. Donc là vous pouvez choisir vous-même le nombre de participants, en sachant que tous les autres participants seront des IA. Donc il y a des équipes préfaites par le jeu qui viendront compléter tout ça. Donc nous on va en mettre que deux là. Vous pouvez choisir des options de compétition aussi. Hein. La durée de tour, ça c'est important. Si vous débutez, hop, mettez-la à 4, c'est le maximum. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'aux 4 minutes, hein. Le PC lui ira plus vite. Et vous, si vous voulez, vous pouvez terminer les tours pour terminer un tour avant les 4 minutes. Mais si vous débutez, c'est important de mettre en 4 minutes parce que sinon ce sera vraiment trop court pour vous. Voilà. Vous pouvez choisir le vieillissement. Et les infrastructures. Alors le vieillissement, c'est au bout d'un certain nombre de matchs, vos joueurs vont vous dire je vais prendre ma retraite, je m'en vais de l'équipe. Donc il faudra les remplacer. Alors, en général, on enlève ça parce qu'on aime bien garder ses joueurs et que de toute façon, ils vont mourir tôt ou tard, donc ça fait office de vieillissement. Les infrastructures, c'est une petite nouveauté du jeu vidéo. Alors ça existait en règle non officielle sur le plateau. Mais eux, ils ont rajouté ça en officiel, en fait. Donc ce sont des bâtiments que vous allez pouvoir acheter pour vous offrir différents bonus ou différentes spécialités, disons. Par exemple, vous allez pouvoir vous acheter un terrain en astrogranite, qui est une surface plus solide que la pelouse, et qui va blesser vos joueurs plus facilement, à condition que vous jouiez à domicile, donc sur votre stade. Bon, des choses comme ça, hein, ça vous permet aussi de gagner plus d'argent, enfin, plein de choses. Donc bon, en général moi j'enlève, hein, mais vous pouvez laisser. Et les événements de coup d'envoi, ça il faut laisser à tout prix parce que ce sont les règles de base du jeu, quoi. Donc ce sont des événements qui vont se lancer à chaque coup d'envoi, à chaque fois que vous marquez un point, et ben vous réengagez et à ce moment-là il y a un événement qui est tiré. Et c'est un événement aléatoire, donc ça peut être très bien ou carrément horrible.
Enfin, bon, on va laisser. Ensuite, vous créez la compétition. Voilà, on vous dit que vous avez rejoint la compétition, c'est parfait. Et enfin, vous pouvez lancer le match. Alors là, donc, comme on a vu tout à l'heure, vous avez le planning. Le planning qui vous indique, bah là on ne connaît pas le score, et votre prochain match c'est celui-ci, les Smelly Runners. Donc si vous voulez, vous pouvez aller faire de l'espionnage industriel chez les Smelly Runners. Et voir que bah voilà, c'est une équipe des bas-fonds, donc avec des gobelins et des skaven et un troll. Et visiblement ce troll a une queue préhensile qui est une compétence de mutation un peu particulière. Voilà, vous pouvez voir le détail de l'équipe. Et puis simplement, bah après, vous lancez votre match. Donc on va se faire quelques tours de jeu, en fait, simplement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et vous l'avez sans doute déjà vu hein, sur le site internet de Cyanide ou sur YouTube également, parce que les vidéos foisonnent. Donc voilà, alors là on nous propose, oui, à chaque début de match vous allez pouvoir éventuellement, alors l'argent qui est ici c'est l'argent que possède votre équipe, c'est-à-dire qu'à la fin des matchs vous allez gagner de l'argent, quand vous achetez des joueurs bah, vous en perdez évidemment. En revanche, vous avez une valeur d'équipe dont on a parlé un peu tout à l'heure, si elle est très, enfin la différence entre deux valeurs d'équipe, lorsque deux équipes vont s'affronter, et ben si c'est vous qui avez moins de valeur d'équipe, vous allez avoir autant de différence en argent, et cet argent là vous pouvez le dépenser avec le vôtre si vous le souhaitez en coups spéciaux. Ouais, donc par exemple là vous pouvez acheter des pots de vin pour tenter d'acheter l'arbitre si jamais il essaie d'expulser un de vos joueurs. Vous pouvez acheter un chef alphine qui lui va voler les relances adverses, un apothicaire pour soigner vos joueurs, ou carrément recruter un champion pour le match. Donc les champions hein, identifiables avec les petits crânes dorés là. Ou encore recruter un mercenaire, donc ça ce sont les joueurs de base, mais voilà, que vous pouvez recruter juste pour un match s'il faut. Donc vous faites ça, en l'occurrence nous on n'a rien, donc on va valider direct. Allez allez. Voilà, donc bon, en général les chargements sont pas trop longs, enfin ça c'est correct. Le truc qui est un peu long c'est le matchmaking, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un open par exemple, vous pouvez cliquer sur rechercher un adversaire, donc ça va lancer une recherche automatique, et la période pour trouver quelqu'un, alors écoutez, déjà quand, bon ok, des fois il n'y a pas grand monde dans les ligues donc ça tourne dans le vide, évidemment si personne n'est connecté, on va rien trouver. Mais même quand il y a du monde, même quand vous lancez en même temps qu'un pote, et ben parfois ça prend mais un temps infini. Alors j'exagère, hein, c'est de l'ordre de 2 minutes ou 3 minutes, mais pour trouver juste l'adversaire, c'est très très vite très long, hein, surtout quand vous jouez beaucoup. Quand vous jouez beaucoup, ben c'est beaucoup de temps d'attente. Alors en revanche, si vous jouez dans des championnats ou des coupes, comme votre adversaire est déjà défini, tout ça, il n'y a aucune recherche à faire en fait, simplement à voir s'il est connecté ou pas, bah du coup le jeu se lance beaucoup plus rapidement. Donc je ne peux que vous inviter à rejoindre des ligues et des compétitions pour gagner du temps. Voilà, donc on se retrouve ici avec notre terrain. Donc notre terrain, on peut le dézoomer pour l'avoir là complètement vu de plateau. Donc c'est pas la vue la plus agréable, mais c'est une vue très très efficace. Voilà. Vous avez la touche CTRL aussi, qui vous permet, alors en appuyant une fois, d'avoir la grille de jeu et les noms des joueurs. En appuyant une deuxième fois, d'avoir toutes les compétences des joueurs. En appuyant une troisième fois, de n'avoir que les compétences que les joueurs ont gagnées. C'est-à-dire que si vous connaissez déjà les compétences de base des joueurs, ça ne sert à rien de les avoir sous le nez. En revanche, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si celui-ci ou celui-là a gagné un niveau. Donc voilà, là c'est pas le cas, puisque les deux équipes sont relativement neuves. Mais si un joueur avait gagné une compétence, bah, elle serait affichée, l'icône en plus, quoi. Vous appuyez une quatrième fois, ça enlève toutes les compétences et ça ne vous laisse que la grille que vous voyez là. Et vous rappuyez une cinquième fois, hop, tout disparaît.
Je vous suggère, si vous êtes un nouveau joueur, d'appuyer trois fois sur la case. Trois fois pourquoi? Parce que vous allez voir tout de suite qu'un joueur a pris un niveau. Vous allez avoir la grille, et en même temps ça ne vous encombre pas l'écran de toutes les compétences. Donc simplement si vous voulez voir les compétences, vous cliquez sur un joueur et vous laissez votre souris. Voilà, ici vous pouvez dire que lui est Minus. Donc un joueur Minus ignore les zones de tacle, tout ça. Hop. Donc on verra dans les tutos hein, qu'est-ce qu'une zone de tacle, toutes ces choses-là. Ici on n'est que en présentation. Hop. Donc voilà, donc on va voir nos joueurs. On retrouve à chaque fois les cartes. Ici sur le côté pardon, vous avez la fosse. Alors la fosse qu'est-ce que c'est? C'est là où vous allez retrouver vos remplaçants. Donc ici on voit qu'il y en a un. Et lorsque vous aurez des blessés, des morts, tout ça, ils vont aller se coucher ici. Et si jamais vous avez des KO, ils vont se mettre entre les deux. Alors les KO, faut savoir que les joueurs vont pouvoir revenir après un engagement. En revanche, les blessés, les morts, tout ça, eux ne reviennent pas ou ne reviennent que le match d'après. Ouais, sauf si vous avez un apothicaire pour les soigner tout de suite et les renvoyer jouer immédiatement. Enfin, bon voilà. Donc vous voyez ici votre chrono qui défile, donc pourquoi 4 minutes Bah simplement pour vous laisser le temps de jouer, d'analyser les choses que vous avez à l'écran, tout ça. Et si ça vous suffit, bah écoutez, vous pouvez valider. Alors ici on valide le placement. C'est-à-dire que quand vous commencez le match, à chaque engagement, bah d'abord vous placez vos joueurs sur le terrain. Ensuite l'adversaire se place. Ensuite, alors ça c'est le petit truc, généralement les gens ne savent pas. Vous allez pouvoir choisir une case pour envoyer le ballon, ce qui vous paraît tout à fait normal. Mais la petite subtilité qu'a oublié de préciser Cyanide, c'est que, enfin ou c'est peut-être précisé dans le tuto, je ne sais plus, c'est que si vous faites un clic gauche sur un de vos joueurs, et ben c'est lui qui va envoyer le ballon. Donc la plupart des gens se demandent mais comment je fais pour envoyer le ballon avec lui et pas avec lui, parce que lui il a une compétence et c'est pas lui que le jeu choisit. Et ben voilà, simplement vous revenez un peu en arrière sur l'écran et vous sélectionnez le joueur avec un clic gauche. Voilà. Donc le ballon est parti, l'équipe en face peut attaquer. Donc là on va voir, le PC réfléchit un peu. Et le PC commence à se déplacer. Donc on va juste se faire un petit tour rapide. Hein, pour les matchs commentés, les choses comme ça, bah écoutez, je vous invite à explorer la chaîne. Vous avez des playlists bien rangées avec tout un tas de choses dedans. Donc pour cette présentation, on va pas rentrer dans le détail, hein. Juste voir que là par exemple, il vient de rater son jet de dés. Alors en bas de l'écran, vous avez les jets de dés. Et quand il a raté son jet de dés, il a utilisé une relance. Donc l'écran est devenu bleu, on clique sur la relance ici, qu'on aura précédemment acheté avec ses joueurs. Et ça relance le jet de dés. Donc ensuite, vous allez pouvoir donc cliquer sur les dés là. Pour avoir le journal des lancers. Voilà, vous avez toutes les actions qui se sont passées et le résultat des dés. Donc ici on voit qu'il a tenté de ramasser, il lui fallait un 3 ou plus sur le dé. Il a fait 1. Là on voit qu'il a utilisé une relance. Et le deuxième jet, donc il lui faut toujours 3 ou plus puisque c'est la même chose. Le deuxième jet, il a sorti un 4. C'est un 4 ou c'est un 5? C'est un 4. Et donc il a réussi à récupérer le ballon. Donc le ballon identifiable avec cette traînée bleue là. Donc faut penser toujours à la chercher parce que la balle c'est la priorité du jeu. Voilà. Donc ensuite vous avez... une fois que l'adversaire a joué tous ses personnages, s'il n'y a pas eu d'erreur dans les jets de dés, bah écoutez, il termine son tour normalement. Si jamais un jet de dés est un échec et qu'il ne peut pas le relancer, et ben écoutez, le tour s'arrête immédiatement. Et c'est en ça que Blood Bowl est un jeu très punitif. Très très punitif. C'est-à-dire que vous allez faire des actions en vous disant, bon bah écoutez, j'ai que ça à faire. Il faut que le dé m'aide. Sauf que si vous comptez sur le dé, et que le dé ne vous aide pas, bah vous terminez votre tour, et là, c'est la cata. Donc c'est vraiment un jeu... c'est un jeu qui demande un peu de maîtrise quand même. Quoi. C'est vrai que ça peut paraître être un jeu de dé. Et parfois ça l'est vraiment, mais ce n'est pas la généralité des cas en fait. Et donc avant de jeter les dés, il y a pas mal de jeux de placement, de choses comme ça, de jeux de compétences, de blocage, de marquage,
Enfin voilà, avant de jeter les dés, il y a plein de choses à faire. Et c'est en ça que, bah, justement, si vous débutez complètement, n'hésitez pas à faire le tuto pour comprendre pourquoi ces jets de dés sont importants et comment on peut les éviter. Et si après le tuto, bah, vous continuez de galérer, n'hésitez pas à passer à l'académie où on essaiera de vous aider. Voilà. Donc là, par exemple, on peut se déplacer. Alors, on peut se déplacer de cette case avec ce personnage. Là, on lui demande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cases. Donc ça, c'est une des règles du jeu qui s'appelle le go for it, ou le mettre le paquet en français, donc qui vous permet de sprinter en fait pour avoir une case de déplacement en plus de ce qui est prévu. En revanche, bah, ça vous demande un jet de dés. Et c'est-à-dire que le jet de dés est facile, il faut simplement faire 2, 3, 4, 5 ou 6 sur le dé, mais si vous faites un 1, le personnage tombe. Là, vous jetez un dé, enfin les deux dés même, pour voir si l'armure passe. Et si l'armure passe, le personnage peut se blesser. Ou même mourir dans d'atroces souffrances tout seul. Voilà. Donc ce que je vous invite à faire déjà, c'est quand vous vous déplacez, voilà, quand vous vous déplacez, le faire case par case, comme si vous jouiez au jeu de plateau simplement. Comme ça vous évite des surprises. Et donc bon, on verra ça plus tard, hein, mais là vous voyez les petites cases colorées, ce sont les zones de tacle générées par les joueurs adverses, hein, attention. Et avec des malus, si jamais vous allez dedans, donc là par exemple, on nous signale qu'il y aurait une esquive à faire à 3+. Voilà, simplement parce qu'on quitte une zone de tacle. Donc voilà, ensuite, oui, la petite feature là, c'est si vous recliquez gauche sur le personnage, là on vous propose de blitzer. Alors blitzer, c'est quoi? C'est taper mais en ayant couru. Donc clic gauche pour le déclencher avant. Sinon il se déclenche tout seul si vous courez avant de taper. Voilà, on vous signale que vous allez blitzer. Donc ça c'est une action que vous n'aurez qu'une fois par tour. Donc il faut en prendre soin. Vous n'allez pas l'utiliser n'importe quand, n'importe comment. Voilà, certains joueurs ont des compétences spéciales en plus. Donc qui seront affichés, on verra ça dans le détail lorsqu'on les croisera. Voilà, et là vous avez, bah écoutez, hop. Bah, évidemment je vous dis de faire quelque chose, mais là, je le fais pas moi-même. Donc voilà, vous pouvez déplacer vos joueurs comme ça. Il faut savoir qu'une fois que vous avez touché un joueur, si vous changez comme aux échecs, et ben écoutez, vous ne pouvez plus retoucher au personnage précédent. Et voilà. Donc le but du jeu étant d'amener la balle ici, dans l'embut. Et voilà, à chaque fois que vous le faites, et bah écoutez, vous marquez un point. Vous replacez comme au départ du jeu. Et puis un nouvel engagement un nouvel événement d'engagement a lieu. Et voilà, et vous continuez bah, tous les tours. Une fois que vous arrivez à 8, vous arrivez à la fin de la mi-temps. Et une fois que vous arrivez à 16, vous arrivez à la fin du match. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que tout a été dit là sur cette présentation. Oui, alors si jamais... enfin, ça c'est la chose à pas faire. Hein. Mais vous pouvez déclarer forfait dans certains cas. Le forfait vous pénalisera de 2 touchdowns et ne vous donnera pas les sous de fin de match ni l'expérience. Donc c'est la chose à pas faire. Hein. C'est vraiment... faire un forfait dans Bootball, c'est pas... Bah c'est un jeu d'honneur de baston que je vous conseille vraiment d'aller au bout des parties même si ça paraît vraiment mal barré. Simplement bah, parce que le jeu est un jeu très très punitif, très difficile pour les nerfs. Et c'est bien d'aller au bout des défaites, histoire de s'y habituer simplement. Et lorsqu'ensuite vous avez des petits pépins en jeu, et bah écoutez, ils vous paraissent bien moins dramatiques que le 6-0 que vous avez encaissé la veille, quoi. Donc il faut aller au bout des défaites, ouais, au bout des matchs, et tâcher de faire ça élégamment. Donc le forfait, bah écoutez, c'est à éviter. Donc, ça pourra toujours arriver, mais bon, tâchez de rendre ça exceptionnel, quoi. Voilà, voilà, bah sinon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bon courage avec le jeu, et puis... rendez-vous à la Mad Academy si jamais vous avez besoin. Ciao !